Salut, ma chum, on s'en va dans les airs bien haut! Aujourd'hui, on s'en vient rencontrer Ilana. C'est une artiste visuelle qui est connue pour son art mural grand format. Je n'ai pas peur de me salir les mains. Je sais pas, j'ai peur des hauteurs, c'est ce qu'on va voir à l'instant, donc suivez-moi. Est-ce que tu l'as su dès que tu étais jeune, que c'est une forme d'art qui t'interpellait? Est-ce que, disons, ton premier terrain de jeu, c'était ton mur de chambre? Je dessinais beaucoup quand j'étais jeune, mais sur du papier. J'étais quelqu'un qui débordait pas des lignes, qui était très okay. By the book. J'ai découvert la murale quand je suis allée en voyage en Pologne, en fait. C'est du format géant, là. Ça, à côté, c'est rien du tout. Ah ouais, hein? Ouais, ouais. Pourtant, ça, c'est comme gigantesque. Ouais, mais okay. Fait que ça m'a allumée, je pense. J'ai fait « OK, un jour, je vais être sur un mur grand même. » Toi, tu t'impliques beaucoup auprès des jeunes, aussi dans les écoles. Tu aimes beaucoup aller faire des murales, t'impliquer auprès d'eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'allume là-dedans? En général, dans la 20, 25, trentaine d'élèves, il y en a un ou deux qui va faire plus, plus, plus. Okay. Puis qui le met en 3D, puis qui fait comme « OK, ça moi, je pourrais faire ça! » Puis là, c'est « PAM! » Puis ça, j'ai des frissons juste à te dire. OK, si je te dis, choisis ton endroit pour faire une murale, ce serait quoi ton rêve? Mais j'aimerais vraiment un moment donné, peut-être un grand mur où j'aime aussi peindre au sol. Fait que ça pourrait être quelque chose, peut-être un tunnel ou quelque chose de surprenant. Ah, ça même, serait cool, un tunnel entier. Ça serait juste quelque chose d'un peu hétéroclite, mettons. Est-ce que des fois, tu repasses de « tu vas voir tes œuvres, tu sais, tu vas juste les revoir un peu? » Oui, ça m'arrive. Clairement. Ouais. Hey, moi, je ferais juste ça, je serais comme « c'est moi qui a fait ça. » Ce que je trouve intéressant, c'est d'aller voir si l'œuvre a vie bien, en fait, dans l'espace. Okay. Puis à chaque fois que j'ai pu aller faire une visite de site, j'ai eu cette satisfaction-là de me dire « OK, elle est bien ancrée dans le bon endroit, de la bonne façon. Elle fait partie de l'espace, en fait, puis elle s'est bien intégrée. » Puis c'était ça le mandat pour moi, en tout cas, de... Elle devient quasiment quelqu'un qui a déménagé dans le quartier, tu sais. Oui, exactement, oui. C'est ça. Ouais.